Novel Clinic card number 12, Louise Marquette. Novel School number 2, Zin Belhai. Novel Trees number 3, Mamadou Touré. Novel Pink Kid number 5, Younes Asen. Novel 8, number 8, Ayub Saudouai. Novel Devinin number 9, Nelson Putin. Novel Dashin number 10, Abdesaman Mohamed. Novel 11, number 11, Arthur Chapche. Novel 13, number 13, Mamadou Touré. Novel 15, number 15, Nicolas Mendes. Novel 17, number 17, Steve Bendeley. Novel 20, number 20, Suhail Mogudin. Novel 22, and number 22, Amit Ben Slaman. Komandos vyriausiasis treneris, head coach of the team, Rafael Reynaud. Numeris 2, komandos trenerio asistentas Džepelis Harunas, komandos vartininkų treneris, goalkeepers coach Tomas Bartolini, fizinio rengimo treneris, fitness coach Arnaud Guimard, komandos vadovas, head of delegation Filipe Pires ir komandos gydytojas, doctor of the team, Simeon Cieni Gittenberg. Brazilios rinktinės sudėtis, we present you the Brazil squad. Numeris 3, William Felipe Dorm. Numeris 1, number 1, Thiago Mendes Roca. Numeris 4, number 4, Marlon Oliveira Araujo. Numeris 8, number 8, Felipe Gonzalez Viana. Tarptautinio futzalo turnyro rungtynės, na, kai ištari komandas, kuriuose jos dalyvaus, nesvarbu kokio rango varžybos, nesvarbu kokios netgi futbolo rūšies rungtynės. Comme un parfum de Coupe du Monde à 5 mois de la première phase finale de son histoire, l'équipe de France futsal poursuit sa préparation en Lituanie. Et quelle préparation face à la première nation mondiale, le Brésil. Bonjour à tous, bienvenue à la Jonava Sports Arena. La France face à un défi immense aujourd'hui, face à ce qui se fait de mieux, tout simplement le Brésil, 5 fois champion du monde, encore vainqueur de la dernière Copa América, un test XXL pour mesurer à quel point ce groupe a grandi depuis 2021 et peut encore continuer à grandir avant le début de cette Coupe du Monde le 14 septembre prochain en Ouzbékistan. La France, toujours invaincue cette saison, 7 victoires, 1 nul, va pouvoir se jauger au très très haut niveau. Le Brésil aujourd'hui, le pays hôte, la Lituanie lundi et l'Ukraine, autre nation du top 10 mondial, demi-finaliste du dernier Euro et habitué des phases finales. Ce sera mardi pour clore ce tournoi entre ces quatre pays. Le sélectionneur Rafael Reynaud s'est appuyé sur 17 joueurs pour ces trois rendez-vous avec quatre retours par rapport au dernier rassemblement du mois de février. Amin Ben Slama, Nicolas Menendez ainsi que Roni Zaki et Yuba Soumaré, même si les deux derniers noms seront en tribune aujourd'hui aux côtés du gardien Thibaut Garros. Et c'est aussi aujourd'hui l'heure des retrouvailles, 2 ans après la confrontation perdue 3-2 à Toulon. C'était en avril 2022, les deux nations se retrouvent. Mais depuis, les Bleus n'ont cessé de grandir jusqu'à se retrouver aujourd'hui au 10e rang mondial, le meilleur classement de leur histoire. Le 5 français avec Francis Lokoka dans la cage, Ayoub Saadawi, Souel Mouhoudin, Nelson Lutin et le capitaine, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, Abdesamad Mohamed. Côté Brésil, et Guita, Felipe Valério, Marlon Gadeia et Rafa Santos pour démarrer dans quelques minutes sur ce parquet. En attendant donc les deux nations, les hymnes nationaux, et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet à
5 mois presque jour pour jour de cette Coupe du Monde 2024, objectif de cette année 2024. Les Bleus 21e hein, à la prise de fonction du sélectionneur Raphaël Reynaud en août 2021, et désormais donc au 10e rang mondial. Et c'est aussi aujourd'hui un match pour l'histoire, le 250e match de l'histoire des Bleus au moment de l'entrée donc des deux nations, emmené par les deux capitaines Felipe Valério et le Brésil Abdessamad Mohamed. Côté français, Alors, il y a eu la Marseillaise avec maintenant l'hymne brésilien. Thank you.
On y est comme un parfum de Coupe du Monde. France-Brésil à 5 mois, presque jour pour jour, de la phase finale. Le 14 septembre prochain en Ouzbékistan, un test grandeur nature pour les coéquipiers d'Abdessamad Mohamed. Il y a 17 joueurs donc convoqués par Raphaël Reynaud, 3 joueurs en tribune, on les rappelle, Thibaut Garros, Yuba Soumaré et Ronny Zakei, le 5 pour démarrer, Francis Lokoka, Ayoub Saadawi, Swell Mohoudine, Nelson Lutin et Abdessamad Mohamed côté Brésil, Guita dans la cage, Felipe Valério, Marlon Gadeia et Rafa Santos pour démarrer. Et cet homme, hein, Abdessamad Mohamed, a évoqué hein, cette équipe brésilienne avant ce rendez-vous. Ce n'est pas le meilleur Brésil de tous les temps, mais ça reste la première nation mondiale. Et un test donc pour se jauger. L'équipe de France, toujours invaincue, on le rappelle. 7 victoires, un match nul qui reste sur 2 succès lors du dernier rassemblement au mois de février. Victoire 6-4 contre la Belgique et 6-3 contre les Pays-Bas. Et donc ce deuxième rassemblement face à deux nations du top 10 mondial. Le Brésil et l'Ukraine, ce sera mardi prochain, 9e nation mondiale. L'une des références en matière de futsal. Les derniers encouragements et on va pouvoir donc démarrer ce 250e match de l'histoire des Bleus. France-Brésil, c'est parti donc à la Jonava Sports Arena ici en Lituanie. Pour Gadeia, première tentative, c'est à côté. On le rappelle, un demi-temps de 20 minutes, temps de jeu effectif, le chronomètre qui s'arrête à chaque sortie de balle. Changement illimité et un premier ballon pour Nelson Lutin. Ça revient, récupération brésilienne. On est déjà dans la moitié de terrain française. Pas de faute, ça joue. La première frappe contrée, ce sera un corner. Déjà les premiers mouvements de Gadeia, joueur Del Pozzo, Murcia. Ils sont 4, le club le plus représenté côté Brésil. Un
Le 1 contre 1 à jouer. Quelle défense de Souel Mouhoudine devant Rafa Santos. Souel Mouhoudine qui dispute sa 89e rencontre avec l'équipe de France. 89e sélection. L'un des cadres à n'en pas douter de la prochaine Coupe du Monde. La frappe contrée par le capitaine Abdessamad Mohamed. Nouveau corner pour le Brésil. La reprise. Et la contre-attaque possible. Abdessamad Mohamed devant Guita. Premier face-à-face remporté par le portier brésilien. La reprise sur corner, ça passe à côté. Mais là aussi, on a vu une possibilité aujourd'hui piquer cette équipe brésilienne dès la récupération. Les premiers mouvements. Gadeia. La frappe de nouveau contrée pour l'instant. Les Français sont en place. Raphaël Reynaud a insisté. Hein, c'est la base de travail, cette solidité défensive. Qu'il y avait quelques soucis sur ce plan-là et qu'il fallait donc retrouver une stabilité derrière. Et quoi de mieux que défier le Brésil. La faute sur Felipe Valério, la première côté français, celle de Nelson Lutin. Quatre retours hein, donc dans ce groupe France et trois sorties. On pense donc à Moussa Haddad, Abdoul Ndiaye et Simon Luc Mkama. Ah, très bonne défense d'Abdessamad Mohamed. Qui peut venir fixer, décaler. Ça s'est vite refermé, mais l'équipe de France a toujours le ballon. Francis Lokoka. Ayoub Saadaoui avec Nelson Lutin. Souel Mouhoudine. Un joueur de l'étoile lavalloise comme trois autres coéquipiers. Abdessamad Mohamed. Souel Mouhoudine, Nelson Lutin et Louis Marquet, le deuxième gardien sur la feuille de match aujourd'hui. Attention à cette remise, ça revient sur Felipe Valério. Au sol, mais pas de coup de sifflet. Marlon. Rafa Santos. Et toujours cette équipe de France très disciplinée. Marlon Oliveira, 36 ans. L'un des joueurs les plus expérimentés aujourd'hui. Ouais, pourquoi pas, Abdessamad Mohamed qui avait récupéré ce ballon, cette mauvaise relance de Guita qui s'est bien rattrapé derrière devant le capitaine français, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, en quête d'un 71e but. Qui va bientôt atteindre la barre symbolique des 100 sélections. C'est sa 97e aujourd'hui à Abdessamad Mohamed avec le ballon. Qui essaye de travailler devant Marlon.
Il y a eu l'entrée de Sid Bellaj, le joueur en activité le plus capé. Les premiers changements donc effectués après 4 minutes de jeu. Sid Bellaj est son numéro 2. La bonne récupération, Souel Mouhdine. Le décalage. Et la faute de Sid Bellaj. Gadeya vers l'avant. Mamadou Touré, le Barcelonais, également sur le terrain. Le premier joueur français à avoir intégré le FC Barcelone. Lui qui est qualifié pour les demi-finales de la Champions League. Ce sera le 3 mai prochain face au Sporting Portugal. Dans ce Final Four. Des quatre meilleures équipes européennes. Mamadou Traoré. Francis Lokoka par-dessus. Ricardinho qui est entré. Ricardinho qui n'était pas présent au début dans la liste de Marquinhos Javier. Il a remplacé Marcel Marquez qui a dû déclarer forfait sur blessure. Un changement donc côté brésilien. Et la présence de Ricardinho, le numéro 6. Francis Lokoka qui s'essaye de loin. Ça n'a pas été touché. Ce sera une remise en jeu pour Guita et les Brésiliens. Le voici, Ricardinho. Française avec l'autre Mamadou Traoré du Nantes Métropole et Amine Ben Slama. Francis Lokoka. Attention à ce face à face et quel arrêt de Francis Lokoka devant Lucas Gomez qui vient stopper cette frappe. Et toujours cette défense de fer. Ça tient après 5 minutes et on sent que dès la récupération il y a des coups à jouer. Et la faute de Nicolas Menendez. Un duel de numéro 15 entre Nicolas Menendez et Leandro Lino. C'est Gadeya qui va s'en charger. La combinaison à 3 et l'ouverture du score après 6 minutes de jeu. La France obligée de plier sur cette combinaison. Francis Lokoka ne peut rien faire. Et l'ouverture du score donc signé Leandro Lino. Le joueur du Magnus Futsal a
Sorocaba, comme Lucas Gomez, actuellement au début de leur saison. Ah, le bon travail de Mamadou Traoré qui il va tout seul comme un grand, le Barcelonais, pour répondre à cette ouverture du score. Francis Lococa est sur le terrain, hein, les deux Mamadou Traoré, Nicolas Menendez et Amin Benslama. Mamadou Traoré avec Amin Benslama. Première vraie possession française. Et Nicolas Menendez va être rappelé à l'ordre. Lui qui effectue son retour dans le groupe France et qui était présent, hein, lors de la dernière confrontation face au Brésil. Il avait même marqué en avril 2022 malgré la défaite 3-2. C'est lui qui avait égalisé. Et ça n'avait pas suffi. Ce jour-là, même si l'équipe de France méritait presque d'aller chercher une égalisation. Nicolas Menendez et Swell Moudine, buteur, et une défaite 3-2. C'est capté par Guita qui relance rapidement, qui sort de sa surface, balle au pied, et rate son décalage. Au jeu, Arthur Tchapchet. Trois joueurs qui évoluent dans des championnats étrangers, qui n'évoluent pas en France. Deux en Espagne, Mamadou Traoré et Amin Benslama. Et donc Arthur Tchapchet, lui, en Croatie, du côté de Pula. Il dispute en ce moment les phases finales pour aller chercher ce titre de champion de Croatie. Sid Belhadj. En retrait avec Francis Lococa. Younes Hassen. Et le bon retour d'Arthur Tchapchet. Younes Hassen. Sid Belhadj. Il a glissé sur ce coup le numéro 11 français. Le Brésil peut repartir. Swell Moudine. Belhadj avec Arthur Tchapchet qui essaye de se retourner, et la contre-attaque stoppée par Swell Moudine. À l'attaque maintenant, le petit ballon astucieux mais qui n'arrivera pas finalement vers Steve Bondali, le joueur du Nantes Métropole. Ah, le pressing payant de l'équipe de France. Relance manquée de Guita. Steve Bondali. Bendali qui bouge beaucoup mais qui doit
finalement rendre ce ballon. Le retour du capitaine Abdessamad Mohamed. Mouhidine par-dessus. Abdessamad Mohamed. Il avait voulu écarter à gauche vers Sid Belhadj. Richard. Le coup de sifflet, la faute française. Attention à la sixième, c'est déjà la quatrième dans cette première période. Steve Belhadj qui va laisser sa place à Nelson Lutin. Nouvelle approximation brésilienne. Les Français sont encore dans le coup, sont encore dans le match. À eux de se montrer dangereux maintenant. Pourquoi pas ici avec Abdessamad Mohamed. Le bon ballon, ça peut en tout cas donner des idées. L'équipe de France va rester haut sur le terrain. Avec Ayoub Saadawi, Nelson Lutin, Souel Mouhidine et Abdessamad Mohamed dans cette moitié de terrain. Et c'est payant, ils ont récupéré le ballon sous les yeux de Marquinhos Ravière, le sélectionneur brésilien depuis 2017. Bah c'est bien fait, Abdessamad Mohamed, en deux temps, l'égalisation du meilleur buteur de l'histoire des Bleus. 71e réalisation après 97 sélections. La réponse, évidemment signée Abdessamad Mohamed, un partout. Et on sentait hein, les Français beaucoup mieux dans cette rencontre depuis plusieurs minutes, récompensés. Et coup sur coup peut-être avec Nelson Lutin. Ils avaient de nouveau réussi à prendre de vitesse cette défense brésilienne. Ah, c'est bien fait hein, quand il y a du mouvement, de la vitesse, des appels dans le dos de la défense. Ça va certainement libérer l'équipe de France. Nelson Lutin. Abdessamad Mohamed qui a fait l'effort. Saadawi avec Francis Lococha, Mamadou Traoré. Abdessamad Mohamed dans sa propre surface de réparation. Et les Français qui conservent l'entrée de Nicolas Menendez à la place du buteur français. Que dire hein, d'Abdessamad Mohamed.
le capitaine depuis 2023. Qui a remplacé donc Kevin Ramirez dans ce rôle de capitaine. Clairement, l'équipe de France a repris hein, la maîtrise de ce ballon, ce qui était moins le cas au début de ce match. William Douglas. La passe vers Fitz, le joueur de l'Inter Movistar, Fitz qui a réussi son 1-2, la frappe derrière de Gadea et la solide défense à l'image de Nicolas Menendez, resté au sol le joueur de l'UJS Toulouse. Alors le club le plus représenté hein, dans ce groupe France, c'est l'Étoile Lavalloise avec 4 joueurs. Et derrière, il y a Nantes Métropole et l'UJS Toulouse avec 3 joueurs chacun. Et d'ailleurs, ce championnat D1 Futsal, plus que jamais indécis. Hein, 3 journées encore à disputer. Et derrière l'Étoile Lavalloise et le Paris Akaza. C'est serré entre le Kremlin Bicêtre, Toulon Elite, Nantes Métropole, l'UJS Toulouse et Kingersheim. Il faudra suivre ça sur la plateforme Futsal Zone. Et un mot également de la finale de la Coupe Nationale. Ce sera le 18 mai prochain et ça opposera le Kremlin Bicêtre de Ayoub Saadaoui et Rony Zakei face à l'Étoile Lavalloise d'Abdessamad Mohamed, Souel Mouhoudine, Nelson Lutin et Louis Marquet. Ce sera à Toulouse le 18 mai prochain. L'Étoile Lavalloise qui a sorti en demi-finale la semaine dernière Nantes, victoire 5-3, et le Kremlin Bicêtre qui a sorti l'UJS Toulouse 7-3, c'était dimanche. Le bon travail d'Arthur Tchapchet pour obtenir cette faute. Alors, Souel Mouhoudine ou Abdessamad Mohamed. Ce sera Souel Mouhoudine directement dans le mur. Ça discute avec Enrique Gonçalves. Bonne défense de Mamadou Traoré. Fitz
le bon repli français. Toujours hein, cette discipline. La montée de Guita. Fitz, côté droit, c'est contré. Et Mamadou Traoré qui ne peut emmener cette contre-attaque. Qualifié donc en demi-finale de la Champions League avec le FC Barcelone. Mamadou Traoré est également vainqueur hein, de la dernière Coupe d'Espagne. Face à El Pozzo Murcia. Et donc face à plusieurs joueurs brésiliens qu'il retrouve aujourd'hui. Mamadou Traoré, donc un cauchemar pour Felipe Valério, Gadeia, Rafa Santos et Marcel, même si il a dû déclarer forfait pour ce rassemblement. Puisqu'ils ont perdu le 24 mars dernier cette finale de Coupe d'Espagne après la séance des tirs au but. Allez, moins de 5 minutes encore dans cette première période, un partout. L'ouverture du score de Leandro Lino. Après un coup franc joué à 3 et l'égalisation en deux temps d'Abdessamad Mohamed. 71e but pour le meilleur buteur d'histoire des Bleus. Qui devance maintenant Alexandre Teixeira de 11 longueurs. Il n'y a pas de faute, très bonne défense encore de Swell Mouhoudine. Quel niveau hein, affiché par Swell Mouhoudine avec l'équipe de France comme en club. Sortie de Guita. On n'a pas trouvé Rafa Santos dans la surface. Le remplacement de Marlon Oliveira. Et la montée de Francis Lococa. Attention à ne pas perdre ce ballon. Ça ne donnera rien. Un retour sur le terrain de Steve Bondali. Alors Steve Bondali, le joueur de Nantes Métropole, c'est le deuxième meilleur buteur de D1 Futsal. 21 buts après 19 journées. Deuxième total derrière l'international marocain Soufiane El Mesrar. 24 buts pour lui avec l'étoile lavalloise, le capitaine du Maroc qui dispute en ce moment la Coupe d'Afrique des Nations de Futsal 2024 dans son pays. D'ailleurs bien lancé avec une victoire 5-2. Et le Maroc en route vers un troisième titre de suite dans cette CAN à la maison pour Soufiane El Mesrar. Le meilleur buteur donc de D1 Futsal devant Steve Bendali et devant Sid Belhadj, le capitaine du Sporting Club Paris. Allez, 2 minutes 50 encore à jouer.
rentrée d'Ayoub Saadawi. Tout de suite servi. L'équipe de France très clairement qui fait mieux hein, que tenir tête à la meilleure nation mondiale, 5 fois championne du monde, encore vainqueur hein, de la dernière Copa América pour la 20e fois. Et pourquoi pas, c'était cadré, il a fallu la vigilance de Guita sous les applaudissements de la Genova Sports Arena. Ah, ça aurait été exceptionnel. Nelson Lutin en retrait avec Francis Lococca. Et ballon rendu à Ayoub Saadawi. On essaye d'allonger la tête de Mamadou Traoré. Younes Hassen, le capitaine de l'UJS Toulouse, avec Mamadou Traoré. Younes Hassen. Mamadou Traoré. C'est encore une belle bataille livrée par Younes Hassen. La frappe croisée, trop croisée de Sid Belhadj. Le joueur en activité le plus capé, on le disait, il est en équipe de France depuis 2012. Sid Belhadj, depuis ses 20 ans. Il en aura 32 cette année. Imaginez un peu toute une vie en bleu pour Sid Belhadj. 123e sélection aujourd'hui. Et pourquoi pas aller chercher le recordman hein. Et il est présent ici, c'est l'entraîneur adjoint évidemment, Jamel Haroun. L'ancien gardien international et ses 151 sélections entre 2005 et 2021. Jamel Haroun, l'entraîneur, le sélectionneur adjoint. Le bras droit de Raphaël Reynaud. Et moins d'une minute à jouer. Le temps mort un partout. L'ouverture du score brésilienne grâce à Leandro Lino. Et la réponse donc d'Abdessamad Mohamed. Un partout. Et on va jouer ce coup franc. 49 secondes. Et c'est comme ça hein, qu'ils ont pu ouvrir le score sur un coup franc au départ. Ouais, Francis Lococca, de tout son long, de tout son talent,
qui repousse cette tentative. Afit qui s'est retourné. Et bonne défense d'Arthur Tchapchets. La faute brésilienne, moins de 30 secondes à jouer. Swalmoud, il touché à la cuisse. Ouais, on voit, il a derrière levé le pied, Rafa Santos. Il a été averti. Le numéro 13, Rafa Santos. Et les consignes de Raphaël Reynaud. L'équipe de France dans son match. Alors qu'on revoit l'ouverture du score, joué à 3, et Leandro Lino qui s'était fait oublier. Mais au fil des minutes, l'équipe de France a été plus entreprenante et récompensée donc par cette égalisation d'Abdessamad Mohamed, l'attaquant de l'Étoile Lavalloise. Et ce geste, cette inspiration géniale où Guita n'était pas loin de se faire lober. Sid Belhadj a tenté à son tour. Mais un partout, on a un vrai duel entre la première nation mondiale et donc la dixième désormais le meilleur classement de son histoire, et l'équipe de France qui a pour objectif de s'installer durablement dans ce top 10 mondial, d'y rester le plus longtemps possible. Elle qui était seulement 21e au moment de la prise de fonction de Raphaël Reynaud. 34e rencontre pour Raphaël Reynaud avec un bilan pour l'instant de 25 victoires, 3 nuls et 5 revers. Un bilan plus que positif. Et c'est la pause, c'est la fin de cette première période ici en Lituanie à la Jonava Sports Arena. Dans ce France-Brésil, un partout à la pause. C'est le duel qu'on attendait et l'équipe de France répond présent très clairement. On va revoir les principales actions de ces 20 premières minutes. Les deux capitaines, Felipe Valério et Abdessamad Mohamed, avant le coup d'envoi de ce troisième France-Brésil de l'histoire. Le Brésil mieux entré dans cette rencontre avec cette ouverture du score de Leandro Lino. Le jeu à 3 sur coup franc. Et l'équipe de France va égaliser grâce à cette frappe du pied gauche. Guita était déjà couché. Égalisation d'Abdessamad Mohamed. Et cette dernière tentative de loin. Un partout donc dans ce 250e match de l'histoire des Bleus. On se quitte quelques minutes et on se retrouve ici pour suivre la seconde période de ce France-Brésil. A tout de suite. Tu veux un bon coucher, lui ?
que... Un bon boucher d'or. Comment on y va? Commence pas là. Commence pas. Ah, ils ont séparables. Ouais, il fait part de moi là, il me sert pas, il veut pas me parler. Encore une fois, il dort avec moi. Ouais, c'est grave. Ils veulent pas nous. Mais bon, heureusement que c'est lui. Style, il vend pas le sien, style. Ouais, je pense. Nico, toi tu vas en sélection? Je savais que t'allais me la poser celle-là. Ah, ça fait du bien, ça faisait longtemps. Des gros matchs, hein, Brésil dès demain. Ouais, Brésil, j'ai déjà joué, mais ça fait toujours plaisir, tu vois, là, c'est des vrais matchs préparation pour la Coupe du Monde, tu vois. C'est des chapeaux 1, t'as Brésil, Ukraine, et après Lituanie, tu vois. Mais franchement, ouais, hein, je pense que ça avait déjà commencé, mais là, on est vraiment dans le vif du sujet, tu vois. Donc voilà, on va tout faire pour performer. Ok, tu comptes là. Tu apprends pas pour vérifier ta situation, après tu passes en milieu. Ouais, c'est le manque de café ça. Tu es justement en train de prendre du café. Trop de café. Même si tu le termines tout de suite, ça réglera pas le problème. 98, non, ça monte. Il faut que ça monte jusqu'à ce que ça redescende. Ah, je rigole. Tu te rappelles de ça ou pas, Younes? Je vous présente Dr Strauss dans H. Il y a Jamel Debbouze, il est derrière. Match face au Brésil, hein, c'est un match qui sent bon là. La Coupe du Monde, on sent que ça se rapproche. Oui. Bah, le Brésil, c'est un très bel adversaire pour nous. Là, on est vraiment content de. Bah, voilà, on est dans la prépa. On va jouer le grand Brésil. Certes, il y a des changements, mais ça reste les numéros 1 mondiaux. Donc, ça va être une bonne occasion pour nous de se jauger et de savoir où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on vaut à l'heure actuelle. Quoi. Alors justement, il y a aussi la Lituanie et surtout l'Ukraine derrière. Deux pays sur trois qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Important pour vous quand même de s'étalonner face aux meilleurs et surtout des équipes du top 10 comme vous. Ouais, bien sûr. L'Ukraine, c'est un adversaire qu'on a affronté plusieurs fois par le passé, qu'on a déjà battu. Mais c'est vrai qu'ils ont fait une campagne de qualif vraiment très impressionnante avec un collectif très très fort. Et la Lituanie, c'est une équipe qui a accueilli le dernier mondial, donc qui a déjà pris la mesure un peu de cette compétition. Donc vraiment, c'est un tournoi parfait pour nous. Et là, voilà, le premier entraînement, il s'est super bien passé. On a vraiment hâte d'en découdre et ouais, on a hâte que ça commence. Individuellement et collectivement, pour terminer, qu'est-ce que tu attends un peu de ces trois matchs et de cette semaine internationale? Bah, collectivement, j'attends qu'on passe un cap face aux très très grosses nations telles que le Brésil. Voilà, j'espère vraiment qu'on va réussir à nous exprimer en tant qu'équipe et à montrer qu'on va à la Coupe du Monde avec de réelles ambitions. Et puis individuellement, bah, aider l'équipe, marquer des buts, participer, on va dire, à bien faire tourner l'équipe et puis gagner. Hein, voilà. Au final, on est là pour ça, on est là pour gagner. On travaille plus facilement quand on gagne. Donc gagner, bien travailler et marquer des buts. Ça marche. Donc laisse-toi poser. Ouais, merci. À bientôt. Ciao.
écouter. Voilà, je pense qu'on découvre la salle avec vous, parce que c'est une belle salle pour un très bon match. Voilà, vivre le Brésil, c'est pas tous les joueurs qui peuvent se dire qu'un jour ils auront vécu le Brésil. Voilà, et on va le faire tous ensemble. Avant de débuter la séance, le groupe pour demain donc, seront en tribune Rony, Luba et Thibaut. Voilà, donc on en a parlé. Voilà, on a la chance de jouer 3 matchs et donc du coup de pouvoir se répartir les matchs et de faire en sorte que chacun puisse avoir de quoi s'exprimer. Donc c'est comme ça qu'on a organisé. Voilà. Et donc l'état d'esprit du groupe, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc on va prendre du plaisir et aller gratter de l'expérience et une victoire tous ensemble de demain.
retour ici en Lituanie, à Jonava, dans la 9e ville du pays. Tournoi international amical entre 4 nations, la Lituanie, l'Ukraine, le Brésil et la France, qui s'affrontent aujourd'hui un partout après les 20 premières minutes, l'ouverture du score de Leandro Lino et la réponse du capitaine français Abdeslamat Mohamed, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, pour relancer cette rencontre. Une équipe de France qui est dans les standards de ces dernières sorties, invaincue cette saison, on le rappelle, cette victoire 1-0, et qui tient tête à la première nation mondiale. Les Français qui ont été les premiers de retour sur ce parquet. La discussion entre Francis Lokoka et Abdeslamat Mohamed. L'enjeu, on le rappelle, hein, c'est la préparation à 5 mois de la première phase finale de son histoire en Coupe du Monde pour l'équipe de France Futsal, après sa qualification, sa brillante qualification lors du Tour Elite disputé contre la Slovaquie, la Croatie et l'Allemagne. Une qualification acquise le 14 décembre dernier grâce à une victoire 7-1. Et donc tous les regards sont désormais tournés vers l'Ouzbékistan à partir du 14 septembre prochain et jusqu'au 6 octobre. Les deux buts de cette première période. Dans ce troisième duel entre Français et Brésiliens, la première fois, ça avait eu lieu en 1999, c'était une démonstration brésilienne à Singapour, défaite 11-1, avant donc cette défaite 3-2 il y a 2 ans. Mais aujourd'hui, l'équipe de France n'est vraiment plus la même, n'a cessé de progresser. Et Raphaël Reynaud souhaitait se confronter au top niveau pour voir le chemin qu'il reste à parcourir d'ici septembre et continuer à s'améliorer. Le coup d'envoi de cette seconde période de ce France-Brésil. Avec une première récupération pour Swell Moudin. Francis Loco qui est toujours dans la cage. Ayoub Saadawi, Nelson Lutin et Abdeslamat Mohamed. La même équipe qui a démarré cette rencontre. Et la première occasion manquée par Lucao. Le joueur du Cartagena en Espagne. Ayoub Saadawi. La passe n'arrive pas jusqu'à Abdeslamat Mohamed. Et le pressing payant de Nelson Lutin. Bien joué. Saadawi vers l'avant. Et un ballon toujours dans les pieds français. Swell Moudin, Nelson Lutin. Qui travaille et tente de passer.
Et on le rappelle, hein, 14 places hein, seulement pour la Coupe du Monde. Il va falloir faire des choix dans le staff des Bleus. 17 joueurs convoqués aujourd'hui. Des retours, des absences également. Les places coûtent cher. Et la concurrence fonctionne à plat régime. Il a été touché sur cette reprise, Souhel Mouhoudine. 14 joueurs donc pour la Coupe du Monde et 2 réservistes. Et il y aura après ce rassemblement une dernière semaine de préparation au mois d'août. Avant donc cette phase finale, la deuxième hein, dans l'histoire de l'équipe de France Futsal. Deux phases finales disputées. La première, c'était l'Euro 2018 en Slovénie. L'équipe de France avait été éliminée lors de la phase de groupe. Un nul contre l'Espagne et une défaite contre l'Azerbaïdjan. Et donc une seconde phase finale à venir en septembre en Ouzbékistan. Souhel Mouhoudine. Ah, on ne s'est pas compris là avec Nelson Lutin. Lucas Gomez. Les Français ont le dernier mot. Et la conservation dos au jeu d'Abdessamad Mohamed. Attention à Gadeya. Mais on ne leur laisse rien. Gadeya qui s'était retourné. La principale menace aujourd'hui. Le joueur d'El Pozzo. Dans le championnat espagnol, hein, réputé le plus difficile actuellement. Deuxième, El Pozzo Murcia du championnat espagnol. Derrière, à 3 points du FC Barcelone de Mamadou Traoré. Alors qu'il reste encore 4 journées à disputer. Beaucoup de joueurs brésiliens exilés en Espagne donc. Lucas Gomez. Lucas Gomez encore, il est passé et ça s'est refermé grâce à Arthur Chapchets. On réclame quelque chose de la part de Mamadou Traoré avec un site Bellage qui arrivait lancé dans cette surface. C'est le capitaine Felipe Valério touché. Pouvoir se relever. Ben Slama avec Francis Lococa.
le long ballon vers Arthur Tchapchet, ça va sortir. Arthur Tchapchet, double buteur hein, lors du dernier match de l'équipe de France face aux Pays-Bas. Le 5 février dernier, victoire 6-3. Doublé d'Arthur Tchapchet et triplé d'un certain Ayoub Saadawi. Premier triplé pour lui en équipe de France. Et Nelson Lutin avait été le dernier buteur. Guita qui sort, balle au pied. Apporter le surnombre dans la moitié de terrain française. Le décalage vers Felipe Valerio. Qui tente de passer. Le centre fort derrière. Qui peut être touché. Donc ça va sortir à l'opposé. Attention à ce ballon perdu par Mamadou Traoré. Heureusement, Richard qui a trouvé sur sa route Francis Lokoka. Et on sent un côté français qu'il y a un plan de jeu respecté à la lettre. Défensivement, il ne laisse que des miettes et c'est difficile pour les Brésiliens de trouver les décalages, d'aller vraiment inquiéter Francis Lokoka. Chacun sait ce qu'il a à faire. Et ça, c'est un travail de fond depuis plusieurs semaines, plusieurs années. Et la construction de ce groupe France, Felipe Valerio. Déjà 5 minutes dans cette seconde période. On avait trouvé l'appui. Mais ça s'envole pour Marlon Oliveira. D'Ayoub Saadawi qui a poursuivi son action, ça n'a pas plu à Guita, un joueur gardien du championnat russe, l'ancien du Sporting, désormais le gardien d'Oukhta en Russie, un leader même du championnat russe. Et la particularité, c'est que l'autre gardien, Willian, évolue lui aussi dans le championnat russe à Norlisk, nickel. Ce sont les seuls et ce sont les deux gardiens. Marlon face à Ayoub Saadawi. Avec l'aide de Nelson Lutin. Et la couverture d'Abdessamad Mohamed. Là, on sent de la tension hein, côté brésilien.
signe que ça ne tourne pas forcément rond et qu'ils sont vraiment gênés par le plan de jeu français. Encore une bonne défense et le 1 contre 1 qui ne donnera rien. Ça repart avec Felipe Valerio qui rentre à l'intérieur. La frappe. Elle passe au-dessus de la cage de Francis Lococa. Ça n'a pas été touché. Il est passé Abdeslam Mohamed. Il y a l'appel de Steve Bandali. Il a voulu profiter de l'appel de Steve Bandali pour aller s'engouffrer dans l'espace libéré par le joueur du Nantes Métropole. Gadeya. Bonne défense de Bandali. Possession brésilienne depuis plusieurs minutes. L'équipe de France dans son camp. Qui se contente de défendre et ils le font bien. Et pourquoi pas piquer en contre-attaque. L'entrée de Fitz. Le joueur de l'Inter Movistar, on parlait du classement du championnat espagnol. Le FC Barcelone en tête, El Pozzo derrière et le troisième c'est l'Inter Movistar justement. L'agressivité d'Enrique Gonçalves. Ouais, c'était limite. Et c'est pourquoi on ne vous a jamais parlé d'un match amical aujourd'hui. C'est loin d'être un match amical. Un match de préparation, certes, mais il n'a rien d'amical à l'image de ce duel entre Français et Brésiliens. L'équipe de France a décidé d'aller chercher cette fois-ci les quatre joueurs de champ, vous les voyez, qui sont très hauts. Et du coup, forcément, ça libère des espaces dans leur dos. Et Enrique Gonçalves était tout proche d'en profiter. C'est le revers de la médaille. Si on ne récupère pas derrière, ça laisse un boulevard. Mais un très bon repli. À noter également, on voit hein, que selon les phases de jeu, soit on va chercher et presser haut, soit on temporise.
et on les attend davantage. Attention à l'appel d'Enrique Gonçalves. Gadeia. Enrique et encore une fois l'équipe de France bien en place. Et au-delà de la technique et de la qualité intrinsèque de chaque joueur, c'est aussi un match tactique, un match qui va se jouer sur... la dimension athlétique, physique et tactique. Et on n'est bien sûr pas à l'abri d'un exploit individuel d'un côté ou de l'autre. Pelaj. Nicolas Menendez qui n'est pas trouvé. Enrique. Le buteur, Leandro Lino. Il y a de l'espace. Ce ballon va revenir jusqu'à Leandro Lino avec Enrique. Fitz. Ah, il y a une grosse faute de Fitz, il partait là. Et il y avait une supériorité à négocier derrière, logiquement averti. L'attaquant brésilien, le... Younes Hassen avait parfaitement jailli. On est rentré dans la seconde moitié de cette seconde période. Toujours un partout. Et un match forcément plus fermé que sur les dernières sorties françaises. Mamadou Touré avec l'autre Mamadou Touré. Ah, c'est dommage, c'était bien joué. Il ne manquait pas grand chose à Arthur Tchapchet. Il était parti et bien repris, Leandro Lino. L'équipe de France à l'attaque, le décalage. Sid Belhadj va récupérer ce ballon. en 19 journées pour Sid Belhadj, même si le capitaine du Sporting connaît une saison difficile, hors course en tout cas, 8e sur
les 12 équipes de D1 Futsal. Et donc loin des 4 premières places qualificatives pour les phases finales. Retour de Swell Moudin sur le terrain. Sid Belach. Arthur Tchapchet. Et la contre-attaque. Ouais, encore une intervention défensive signée Swell Moudin. Qui est le troisième joueur avec le plus d'expérience dans ce groupe France derrière Sid Belhadj et Abdessamad Mohamed en termes de sélection. 89e aujourd'hui. Ouais, bien joué en une touche de balle, Abdessamad Mohamed. La défense de Marlon, mais l'équipe de France garde le cuir. L'équipe de France qui va disputer donc trois rencontres en quatre jours hein, seulement. Le Brésil aujourd'hui, le pays hôte, la Lituanie lundi, classée au 80e rang mondial, qui ne sera pas qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. L'arrêt de Francis Lococa et donc l'Ukraine, autre nation du top 10 mondial, juste devant les Français, demi-finaliste du dernier Euro et habitué des phases finales. Ce sera mardi pour clôturer donc ce tournoi entre les quatre nations. Ayoub Saadawi. Le ballon par-dessus. Abdessamad Mohamed en position de frappe. Le pied gauche s'est contré. La nouvelle défense brésilienne. Rafa Santos cette fois-ci. En une touche, pourquoi pas? Oui, ce ballon est rentré. Il va être accordé au capitaine Abdessamad Mohamed, auteur d'un doublé. L'équipe de France prend les devants face à la première nation mondiale. Le Brésil en difficulté face à l'équipe de France. 2-1. 72e réalisation du meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Ah, et ces chiffres, hein, on va forcément les donner à chaque but. Tant ils sont éloquents. Tant ils parlent pour la carrière et le talent d'Abdessamad Mohamed. Un doublé aujourd'hui face au Brésil. Ce n'est pas rien et il s'en souviendra pour l'éternité. Attention à Marlon, la réponse brésilienne. Francis Lococa répond présent.
Ouais, Raphaël Reynaud ne voulait pas se cacher, mais ne voulait pas non plus tout dévoiler avant cette Coupe du Monde. Eh bien, en cas de performance majuscule aujourd'hui, il enverrait quand même un message à 5 mois du début de la compétition. Il avait dit, bien entendu, on ne va pas tout montrer. On va garder deux ou trois petites choses pour nous. Mais on ne va pas se cacher. On va faire le maximum de ce que l'on peut aujourd'hui sans arrière-pensée. Eh bien, c'est le cas. En tout cas, s'offrir le Brésil aujourd'hui. C'est un message alors que Guita était sorti de sa cage. Heureusement qu'il y avait le bon placement. De Gadea, sinon le but était complètement vide. Et moins de 5 minutes hein, à jouer. Ouais, ce mouvement collectif, c'était bien fait. Entre Leandro Lino et Gadea. Alors même si hein, ce n'est pas le meilleur Brésil de l'histoire. Ce serait quand même une sacrée performance aujourd'hui. Mais il reste du temps et il peut se passer beaucoup de choses. Surtout en futsal. On est encore loin de la fin de cette rencontre. Et le Brésil élève le rythme. Ça joue plus vite. Gadea du gauche à côté. Et le temps mort demandé. On revoit Felipe Valério, Enrique Gonçalves. Et à chaque fois, quand ce n'est pas Francis Lococa, c'est un pied français qui traîne. Et on revoit, hein, c'est une erreur hein, clairement de Guita. Une erreur de main, le décalage d'Ayoub Saadawi pour Abdeslam Mohamed. On réussit parce que Guita semblait hein, dans la trajectoire de cette frappe, mais il s'est troué. Et l'équipe de France est devant donc face au Brésil. Et on va tenter le tout pour le tout avec Gadea. Le power play tenté par le Brésil. Et c'est Ayoub Saadawi. Merswell Mouhidine, pardon. Qui marque à son tour après le doublé d'Abdeslamad Mohamed. Le coup tenté par le Brésil. Et l'équipe de France
puni quelques secondes après. Soued Mouhoudin, 50e but avec l'équipe de France. On le disait, donc Gadeya qui remplace son gardien. C'est pourquoi il porte un maillot différent pour évoluer en supériorité numérique dans le champ. Et on l'a vu, ça peut être payant. Mais là, ils se sont fait punir d'entrée. Et donc, c'est Soued Mouhoudin qui en a profité. 50e but avec l'équipe de France. L'équipe de France mène 3-1. L'équipe de France nous régale aujourd'hui sur la lancée de ces dernières semaines, de son tour élite notamment. Ah, et le Brésil sonné, qui sort pourtant d'un 20e sacre en Copa América après avoir battu en finale le 10 février dernier l'Argentine, son grand rival 2-0. L'équipe de France, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, envoie un message aujourd'hui. Il faudra compter sur elle, à n'en pas douter. Et on va donc se 5 contre 4 dans la moitié de terrain française. Et le danger donc pour le Brésil, c'est dès la récupération de vite revenir vers son but pour empêcher Soued Mouhoudin notamment. De marquer de cette distance, il l'a fait déjà, notamment contre la Slovaquie le 14 décembre dernier, Soued Mouhoudin, et il le fait encore aujourd'hui face au Brésil. Attention à Marlon, la défense française, Gadeya, Felipe Valério. Le ballon qui circule et la réduction du score de Rafa Santos, cette fois-ci, stratégie payante, la réduction du score, 3-2, il reste 1 minute 20. Et le dernier temps mort de la partie. Des renversements, il y en a beaucoup, souvent, dans cette discipline. On est donc loin de la fin de cette rencontre. Et on va voir si l'équipe de France est capable de résister, de rester devant et de rester invaincu cette saison. On le rappelle, cette victoire, un nul jusqu'à présent. On revoit le deuxième but d'Abdessamad Mohamed. Et donc ce but magnifique de Soued Mouhoudin et la réduction du score donc il y a quelques secondes. Rafa Santos, alors est-ce qu'on va rester? Non, en supériorité on va faire entrer donc Willian, un vrai gardien, le deuxième gardien donc qui remplace Guita.
la faute d'Abdessamane Mohamed. 34 secondes encore à jouer. Fin de match sous tension. Raphaël Reynaud qui est en train de faire les 100 pas dans sa zone technique. Et à nouveau le power play. La frappe de Gadeya repoussée par Francis Lococa. Allez, il faut tenir. Attention, Gadeya. La frappe pied gauche qui passe à quelques centimètres de la cage de Francis Lococa. 10 secondes à jouer. Le long ballon vers Abdessamane Mohamed. Le pied gauche. La dernière seconde, ils vont le faire. Le dernier tir, ça passe à côté, c'est fait. Une nouvelle performance majuscule. L'équipe de France de futsal remporte son duel face à la première nation mondiale. Premier succès dans son histoire face au Brésil. Victoire 3-2 grâce à un doublé de son capitaine Abdessamane Mohamed et un but, le 50e sous le maillot bleu de Souhel Mohoudine. La France envoie un message à 5 mois de la première phase finale de Coupe du Monde de son histoire. Bravo aux joueurs de Raphaël Reynaud. Bravo à ce groupe France qui continue de grandir depuis 2021. L'équipe de France toujours invaincue. 8 victoires, un match nul depuis le début de la saison. On va revoir donc les principales actions avec un début de match brésilien. Francis Lococa a dû s'employer et doit s'incliner sur l'ouverture du score signé Leandro Lino, coup franc joué à 3. Mais l'égalisation en première période du capitaine Abdessamane Mohamed en deux temps. D'abord du pied droit, puis du pied gauche à bout portant. Imparable pour Guita. Un partout, ce sera le score à la pause. La tentative de loin. Et en seconde période, Francis Lococa toujours impeccable. Bien aidé aussi par sa défense. Discipliné défensivement aujourd'hui et l'erreur donc de main de Guita pour le doublé d'Abdessamane Mohamed. 2-1, le Brésil va prendre alors tous les risques et va être puni grâce à ce but longue distance de Souhel Mohoudine, son 50e sous le maillot bleu. La réduction du score en fin de rencontre ne suffit pas, l'équipe de France s'impose 3-2 ici en Lituanie à la Jonava Sports Arena. Lance parfaitement ce tournoi international. L'équipe de France affrontera donc la Lituanie lundi et l'Ukraine, 9e nation mondiale, mardi. Performance majuscule, exploit. Est-ce que c'est un exploit? En tout cas, l'équipe de France s'impose. Bravo à tous, merci de nous avoir suivis et à très vite. Très bonne soirée à tous.